Pierre, on en était là. On va regarder les épisodes de nouveau. Ça a la forme. Non mieux. This is the full list of missing supplies, sir. Hmm. They weren't here for that long, but they managed to steal quite a bit. It's impressive, certainly. Ah, Green Hill, c'est un jeu. Je pensais que c'était une zone dans The Long Dark, là. Je sais qu'il y a une nouvelle zone que je suis pas allé, je sais plus son nom. Je regarderai, alors. But an operation like this would have been impossible without an inside man. Of course, the resistance. Il va attaquer la résistance. En gros, c'est ce qui va se passer. Green L. Extra rope on the starboard side. Check the landing crafts. Get those engines ready to run. That should be all the supplies loaded, sir. We're just about done with refueling, too. It would appear we're almost ready for the grand finale. Do you think Squad E will be back in time for departure? It certainly would be a problem if they missed the boat. I can understand wanting to thank the Resistance. We wouldn't have these supplies without them. But Operation Cygnus is our greatest priority. I do hope Mr. Wallace is aware of that. But there's still the issue with our main reactor. Brian, would you mind accompanying... Ah oui, on va apprendre sur le fait que j'avais raison. J'ai souvent raison en plus, j'ai souvent raison. Well, I'll be. Ain't every day I see you wandering around down here. You're as chipper as always, Andre. It's nice to see you in person once in a while. Orders over the intercom just aren't the same. So, what's the occasion? I reckon you didn't come all the way down here just to talk to an old grease monkey. I have business in the Forbidden Sector. I'm sorry. But I'm afraid I'll have to... Yeah, I figured. The main reactor hasn't made a peep since that mess. Come on, Roland. I know there's some kind of secret with that reactor. Can't you let me in on it? I'm sorry, old friend. I'm afraid that's not something I can do. Good grief. Fine, fine. I guess it's up to you to get that thing working again, huh? Well, shall we? Aha, c'est tellement secret. C'est normal. Je vais regarder par rapport à Green Hell. Je vais voir si c'est si c'est aussi bien qu'il y paraît. The reactor's still empty. Not much time left now. I understand, sir. I'll bring it back at once. Ooh, je vais la ramener. No. It won't fully activate unless it's here of its own free will. That's what all the briefings said. C'est bien parce qu'en anglais ils utilisent it pour la cité, mais vu que c'est traduit en français, donc ça devrait être il ou elle, ou alors cette chose, mais ils vont pas mettre cette chose. Donc du coup ils écrivent elle, du coup on sait de qui ils parlent. Then. It'll have to return willingly. Until then, we wait. Do you think it will return, sir? Will it come back for us? C'est la petite fille. Ouais, je sais pas si on peut appeler ça un DLC, c'est plutôt un patch. Ils vont rajouter des choses dans XCOM 2. Nouvelle mission... Nouveaux personnages, nouvelles armes. This must have been such a beautiful city before all this. This neighborhood resisted occupation the hardest. When the Imperials came, they destroyed everything. Je crois que c'est demain qui sort normalement. Demain ou après-demain. I can see Imperial patrols all over the place. See that building next to the central plaza? Yeah. That's where General Manuel is being held captive. He's an important contact we had within the Empire. He's been accused of cooperating with the Resistance. They've taken him in for questioning. Was it because of the supplies we took in that op earlier? Évidemment. Yes, but they won't find any evidence.
He's an influential figure in the Empire. Ordinarily, he'd be questioned for a day or two, then acquitted. But this time we got unlucky. The one leading the investigation is Major Burke. A real witch hunter. Practically a one-man inquisition. He's held a grudge against Manuel for a while now. The General interfered with one investigation too many. He'd fabricate whatever evidence he needed if it would push Manuel towards a death sentence. Sounds like a real charmer. Why don't we just take out all the soldiers around here? That'd be quicker, right? No. Even if we liberated the city, the Imperials would be here in days to take it back. If that happened, I don't know if the Resistance could hold them off on their own. We work in the shadows. We don't have the raw power to fight the Imperial army head on. That's why we're putting all our eggs in your basket. I know we're pushing the responsibility on you, but... That's not true at all. You're fighting the Empire just like us. On va devoir les aider. Take pride in that. Ouais, le truc de le DLC, on va appeler ça un DLC. Mais je crois pas que c'est payant, enfin j'espère pas, parce que sinon ça serait un peu con. C'est pour fêter les... Je sais pas, genre les 20 ans du jeu ou un truc comme ça, genre depuis le tout premier XCOM qui est sorti. Thank you. Truth be told, I've got a baby on the way. My wife is due this spring. That's why I want this war over before then. If our baby remembers hearing anything from these years, I want it to be birdsong, not gunfire. Sounds like a good future to me. And we'll be the ones to make it happen. Je sais qu'ils vont mettre... ils vont changer leur... genre les... les musiques, on va pouvoir avoir la musique genre de XCOM 2, de XCOM 1 aussi. Enemy Unknown. On va avoir la musique des anciens jeux aussi, des tout premiers. Et on va avoir un morceau d'histoire qui se passe entre XCOM 1 et XCOM 2. En fait, comment le central, là, je sais plus comment il s'appelle, a récupéré des soldats et tout ça. Et il a créé la résistance. Here's our plan to rescue General Manuel. Ok, il va falloir récupérer. On va sauver tout le monde. D'après la Rose Bell, il est aussi intelligent d'impitoyable. Attendez-vous à un piège. Okay. Il y a des pièges. Propaganda Center. Ouais, il va avoir une histoire avec lui. On prend Dan ou Ronald. Ouais, on peut prendre Dan. Kind of exciting. Let's do it. I'll watch over you. My turn. You'd better keep up. Lock and load. Je sais pas trop qui prend. On a énormément de tanks et de conneries comme ça. Let's do this. Ready anytime. On va voir. On regarde sur sur YouTube directement. Ou alors sur la page de XCOM 2. General Manuel is being held at the town hall. Our allies in the resistance need us to rescue him. J'ai trouvé, cool. Our objective is City Hall. C'est ça. You can see the Empire's main command post. A direct route would be risky. Enfin, nous avec l'heure décalage et tout ça, on verra quoi. Infiltrated parts of this city. If you can find them, they can help you. Unfortunately, even I don't know exactly where they are. Keep an eye out for a blue rose. If you see that, it means our comrades are nearby. I'm counting on you. Ok, donc il y a des roses bleues de temps en temps, et ça veut dire qu'il y a des... Il y a des aides. Advancing. Calm down. We need
Ah, précision d'assaut. Right there. Ah, c'est très bien. Pretty good. There they are. La barricade. On peut péter cette barricade. Faut voir ce qu'il y a derrière. There's one over there. J'ai l'impression que le cactus il va pas vraiment servir dans ce combat. Parce qu'on peut pas passer sur la droite. Donc du coup. Il y a un char, il y a un canon. Sniper, grenadier, Gatling. Gatling, canon, II, c'est. Ok, moving out. T'es bien défendu quand même. Putain. There they are. Oh, bonjour. C'était pas prévu. Fire! They're good. Ouais, on va se mettre là. Pas. Oh. Toi tu vas faire boum. Voilà. Somme mortier. Ouais mais c'est abusé. Minerva rase. Follow my lead. I know what it's like to command. Ça y est, elle s'énerve. Fall in. Got it. Lead the way. Fall in. I got your back. They're firing on us. Taking a shot. Ah, très bien. How was that? Boing, boing. On va les faire passer sur la droite. I'm a Federation officer. I will not fall here. Commencing counterattack. Here comes the pain. Merci. Bring it on. England. Oula, brûle pas l'autre. Ah, il y a une rose bleue. Comment on fait? Rose bleue gravée sur le mur doit être une planque de la Fédération. Oui, mais on fait quoi? Ah, entrée. Got enemies here. Je comprends rien du tout. Qu'est-ce qui vient de se passer là? On vient d'avancer, ouais, super, ok. Mais ça nous avance pas vraiment point de vue stratégie. Faudra un sniper. Now advancing. Allez, avance. Six, le foutage de 9-1.
Ah mais s'il te plaît quoi. Ça sert à rien. Faut tuer le sniper là-haut, ça sert à rien sinon. Tu recrutes des enfants soldats? Dans quoi? Dans XCOM? Ça, il fallait que tu fasses ça sur l'autre. Fallait que tu fasses ça sur la Gatling. Ça, c'était bien. Oh wow, terrible. On est dans la merde. Cool. Ok. Ah oui, dans le jeu, oui. Oh, maintenant ça me choque plus. Maintenant j'ai l'habitude. Voilà. Ah, j'ai l'habitude maintenant. On va peut-être donner un ordre hein, pour augmenter la défense. Ah merde, c'est infanterie. Renforcer le blindage. Voilà. Concentrate on defense. We have to endure this. Parce qu'on est devant pas mal de... d'explosions là. Trop classe. Oh. Tu fais quoi là toi? Voilà. Récupérer les HP. Très bien. Merde, attends. S'il y a une Gatling. Ah, il y a une Gatling, il est exposé. On est dans la merde. On va voir. Difficile cette mission. On peut pas trop avancer en fait. Riley qui tire. Fait chier. Ils viennent d'où tous ces gens? Je sais pas.
Ouais, on va faire avancer les mecs. Let's go. On va défoncer lui. Passage. Lui est dangereux. Voilà. Ouais, ça peut arriver, ouais. Ça peut arriver de se faire genre flanquer ou mettre dans une position où c'est qu'on peut plus bouger. Ouais. Voilà, très bien. Boing, boing. Là, il y a des mines. Federation officer, I will not fall here. Je sais pas où aller en fait là. On peut pas continuer. Ah, peut-être là-bas, il y a peut-être une rose. Bon, c'est strictement rien, on pourra aller voir. Advancing. I will see this through. Uh-oh, the enemy's firing back. Right there. Target destroyed. Valkyria, oui, très bon jeu. Niveau gameplay stratégie, oui, il est très très bon. Après, faut juste aimer le fait qu'il soit un peu plus. Comment dire. Simpliste qu'un XCOM. Mais au fur et à mesure que ça avance, ça devient assez compliqué et on peut pas rusher bêtement en fait. Faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait. Donc, non, c'est un très très bon jeu. Faut aimer le style japonais comme ça en fait. Ok. On avance petit à petit. Ces deux-là, je sais pas comment on va les tuer. On peut pas vraiment les sniper. On a pas assez de puissance. Faut y aller avec le tank. On a le grenadier. On a toujours un sniper qui peut être très dangereux pour tout le monde. Testons. Parce que là, ça serait bien. Là, si ça touche, c'est bien. Yes, enemy down. Peut être pas mal. C'est putain de sniper qui a tiré dessus. Okay. Là par contre, je pense pas que ça passe. Oh yes. Ok. Donc voilà, elles sont protégées du sniper. C'est ça qui est important.
good for this one. Watch my back. Admirateur secret. Lead the way. Watch my back. I'll follow. Qui veut mourir? Trop loin. You ain't going nowhere. You ain't going nowhere. Ah bonjour. Ouais. C'est une façon comme une autre d'attaquer. Je sais pas trop. Il y a des mecs de partout. En fait, il y a des pièges de partout, j'ai l'impression. Ah mais du coup on peut pas avancer là. Non. Non. Excuse-moi, tu connaîtrais la route. Je suis pas d'ici, je connais pas. Là il y a des fortifications donc on peut sûrement les détruire. Ouais, je sais pas. Ah oui non mais les personnages tout ça on dirait qu'ils sont pas en guerre hein. ils sont relax hein. Des fois c'est un peu triste mais après après ils s'amusent hein. Marrant. Je crois qu'il est mort. Je crois qu'il est mort. Bon, ben voilà. On n'a pas trop avancé au milieu, mais on a avancé sur le côté, ce qui nous mène pas vraiment à grand chose non plus, je sais pas. Le plus dangereux reste encore les deux tanks devant nous. Ça va. On va devoir le soigner le prochain tour. Bien mieux que R7. C'est du passé R7, faut plus en parler. Maintenant il faut regarder l'avenir avec Resident Evil 2 Remake. Ah, je l'attends avec impatience celui-là. Alors on a ce putain de grenadier quelque part qui fait chier. Ok, moving out. On leur fait extrêmement mal. Advancing. Keep firing. No, the treads. Right there. Ok, 1725. Il va falloir utiliser Aileen, mais pas maintenant. Pas maintenant, après. Bon, nous on est coincé là dans cet endroit. Là. Ça sert à rien. Est-ce que t'as assez de déplacement? Ah, oh, me dis pas que tu vas être à court de déplacement.
Très bien. Didn't take much. All allies have been taken out. Cupid spotted. Très bien. On a un tank devant, on a le mortier qui fait chier. On a une échelle là, il va falloir foncer et prendre l'échelle en fait. On va tester un truc. Yep, I'm on it. Commencing counter-attack. Follow my lead. Le nouveau DLC, la car... Non, merde. Fais chier. M'a niqué mon plan. Je pense pas que le nouveau DLC soit très très long. Hein. On s'arrête pas. Pas de problème. On est tellement exposé, c'est abusé. Raz, on compte sur toi. Combien de mecs autour de moi? Ça va. Your own damn fault. Done and done. Keep on. Ok, on est reparti avec. Yep, I'm on. Avec le cactus. Da 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 da. Ça va la défense? Ça va? C'est quoi ce mec quoi? Sérieux? Leave it to me. Et si ça pète, ça te gêne? Wow. Not done yet. Alors lui, il est résistant. Attends, j'ai plus qu'un point. Raz, il est mal en point. Si je le joue, il va tirer directement sur Raz. Il y a des chances qu'il tue. Ouais, moi, ce que je vais regarder, c'est les nouveaux modes, surtout, qui vont être intéressants. C'est un mec blindé. Ouais, mais grave, attends. Je sais pas... Si je sors... Aileen, elle peut soigner. Mais est-ce qu'elle va pouvoir tuer le mec? Ouais, normalement, oui, attends. Le mec, je veux bien qu'il soit blindé, mais quand même, il a plus de vie, là. Let's take him out. Ah.
I'm here to back you up. On est bon. Very nice. Réparer. Ah oui. Ah, elle peut pas soigner parce que je viens de tuer le mec en fait. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le truc? Ça devrait être pas mal là. Va falloir arrêter les renforts sur la gauche. Il y a des renforts sur la droite qui arrivent aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tank? Ah ah. Bonjour. Got through. Il y a un mec derrière aussi. Il y a des mecs de partout, mais c'est incroyable. Non. On vient de perdre. Oh la vache! Waouh, ok. Bah c'était bien. General Manuel is. On recommence, pas grave. Our allies in the resistance need us to rescue him. Our objective is City Hall. You can see the Empire's made it a command post. A direct route would be risky. But my allies have. Ça me fait chier, par contre. Okay, moving out. On est reparti. Hein. Riley, just watch me. Incoming! We have to do this. Enemy sighted. Shots fired. Find some cover. There they are. Allez. Fire! No! Non, ça, on peut, y a pas ça. Enemy sighted. Enemy sighted. Y a pas ça. Okay, moving out. Keep firing. Fire. Par où passer, je sais pas comment. Il y a, on n'est pas assez en fait, la carte est trop grande. On n'est pas assez du tout. On va d'abord détruire ça. Parce que là, il y a un tank. Voilà, on a avancé des mecs.
refaire un peu la même technique. Fall in. Got it. Lead the way. Fall in. I got your back. Par contre, on va passer par là. What? Il y avait une mine? Quoi? Je crois qu'il y avait une mine. Encore eux qu'on est juste à côté. Sniper, has Karen been shot? I'm fine. It just grazed me. Oh. Karen, move. You're being targeted by the sniper. Find a place to hide. Yes, sir. How could they do this? Aiming for a medic? That's a violation of our treaty. I knew the Empire was full of assholes, but these guys are really going for the grand prize. Must be under orders from this Major Burke. He's definitely living up to his reputation. If they're gonna target the medics, it's too dangerous to send in Karen. We'll have to rely on the engineer's support for now. At least until we can take out that sniper. Super. Cheap shots won't stop us. I'm gonna save General Manuel. Okay. Terrible. Head to the building in the back. Ça sert à quoi d'être là? Tu te fous de ma gueule? I'll come get you. Hang in there, alright? Quoi? Now advancing. Bon, bah ça sent la... Hein, c'est la merde, là. Mais t'as un casque en adamantium, toi, c'est pas possible. Ça, c'est bien, c'est de pire en pire. I'm not scared of anything. Shots fired. Find some cover. Oui, ça va, il risque rien. Il y a le sniper qui peut le... La sniper qui peut le cibler, c'est un peu chiant par contre. Mais bon. Ok, moving out. No, the treads. Hop. On va refaire la même stratégie que la dernière, que tout à l'heure. Ok, ça marche. Good. That should make things a little easier. Mm.
y avait des traités, je crois qu'on pouvait pas tirer sur... Enfin, je sais plus. Il y avait des choses comme ça pendant la Seconde Guerre. Ou la Première, en tout cas. Boum. Ça va, on tank. On est un tank, on tank. Pas de problème. Et ils viennent